Moi c'est Lucas. Et moi Manon. Nous sommes ergothérapeutes au réseau hospitalier Neuchâtelois. Nous accompagnons les personnes âgées ou non en milieu hospitalier. Notre mission, les aider à retrouver une autonomie et indépendance dans leurs activités de la vie quotidienne. Après une maladie ou un accident par exemple. Vous nous trouvez sur tous les sites du RHNE. Venez ! Nous incitons les personnes à travailler sur les activités qui se rapprochent au maximum de leur contexte de vie. Qu'est-ce que vous utilisez à la maison pour mettre sécher votre linge ? Pour cela, nous utilisons des salles de thérapie aménagées de manière à recréer au maximum ce que la personne peut retrouver dans son environnement habituel. Monsieur, on va pouvoir aller dans la cuisine. Oui. Et puis on va essayer d'aller changer la litière du chat. Et ce, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans son jardin par exemple. En tout cas, il y a une belle évolution parce que les premiers jours où vous étiez arrivé jardinier, ça vous demandait un effort élevé. Et là, maintenant... Nous réalisons également des évaluations à domicile pour proposer des aménagements aux besoins. Et pour poursuivre l'accompagnement à leur sortie, nous collaborons avec des ergothérapeutes à domicile pour intervenir directement dans leur contexte de vie. Il y a moyen de mettre quelque chose avec ce que vous avez. Je vois pas, non? Ouais, moi non plus. Nous misons également sur l'effet de groupe pour favoriser ou encourager la participation sociale, l'indépendance et l'autonomie. Alors, toujours serrer suffisamment pour armer l'arbalète. Le service d'ergo s'appuie sur les nouvelles technologies. Très bien. Réalité virtuelle et jeux vidéo sont d'excellents compléments à notre pratique, disons, plus classique. La créativité des ergos favorise tout type d'adaptation. Vous voyez, ça prend la forme. Puis ici, la petite patte, elle va protéger l'os. Ouais. Cela passe parfois par la réalisation d'une orthèse, d'une prothèse ou autre dispositif pour répondre aux besoins de la personne. Tu peux y arriver, David. Ouais, bravo! Vous l'avez vu, les ergothérapeutes accompagnent les personnes, petites et grandes, pour les aider à reprendre une vie la plus satisfaisante possible.